à tous et à toutes, c'est un 85 Gamer, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va super. Et on se retrouve sur LBP3 pour vous montrer une astuce, comment avoir des costumes glitch illimités comme cela. C'est ce que je vous montre là, costumes illimités ou des DLC gratuits ou des persos du mode histoire gratuits par exemple, donc c'est bien. Je vais remettre ma tenue d'origine, voilà. Donc je vais vous le montrer. Déjà vous devez aller dans l'ordinateur J-Pod, puis vous devez aller dans la communauté, recommander aux gens, on s'en fout, chercher, et vous devez taper costume copyable et vous cliquez sur R2. Puis vous essayez de mettre genre par exemple cette semaine. Excusez-moi, je m'étouffe un peu. Donc alors par exemple on a lui là, on a, je sais pas lequel c'est, Free DLC Costume Deals. Donc on va aller dessus. Voilà, donc je sais pas si c'est vrai, donc si c'est pas le si c'est pas comment, enfin genre il y a des types de serveurs où directement, mais je vais vous montrer les deux versions pour avoir les skins. Donc celle-là à laquelle je pense, c'est peut-être qu'on va commencer par la plus longue. Ah, je sais pas par contre si c'est le bon truc. Par contre, donc j'espère que si. Mais vous pourrez avoir tous les costumes que vous voudrez, les gars. Donc voilà. Donc quand vous allez par là-bas, les gars, normalement, vous êtes censé avoir, comment dire, les costumes. Mais je crois que c'est une map fake. Donc il n'y a rien. Donc les gars, je fais une coupure et je vous retrouve dès qu'on a le bon type de map. A tout de suite. Et re à tous, les gars. Alors, je vais vous montrer la première manière, la plus courte. Donc vous êtes dans cette map, les gars, et vous devez choisir le skin que vous voulez. Ça, je vais prendre un skin, celui-là, parce que je l'ai pas. Vous cliquez sur triangle en face de la porte, puis vous appuyez sur carré, donc on ouvre le pop-it. Personnalisez les personnages et sauvegardez la tenue. Et pareil pour tout ce que vous voulez. Donc voilà, moi, il n'y a que celui-là que je veux. On voit que c'est comme ça. Alors, on va ouvrir la fin du niveau. Et ensuite, voilà, les gars, après, c'est très rigolo et tout. Honnêtement, c'est très très rigolo. Alors, je vais vous montrer la deuxième manière, si on peut la voir. Peut-être la, enfin, la deuxième sorte de niveau qu'il en propose. Donc voilà, bon bah, je coupe. À tout de suite. Et re, les amis. Alors, je vais vous montrer la deuxième technique, les gars. Alors, elle est encore plus simple. Il consiste à prendre ces bulles, les gars, là, ces bulles. Donc voilà, donc vous prenez des les gars, vous prenez les skins que vous voulez. Car moi personnellement je les prends tous parce que j'aime tout, voilà. Voilà. Et ensuite donc vous terminez le level. Donc là je vais pas couper parce que c'est très simple. Bah là les gars, j'ai fait des trucs. Regardez. J'ai copié 2-3 petits. Voilà les skins d'essayage. Donc après je sais pas par contre pour la démethode s'il y a des trucs à faire, parce que peut-être je crois qu'il faut des DLC et tout. Donc ensuite vous cliquez sur continuer, les gars, parce que le level ne nous intéresse plus. Donc ensuite vous allez aller alors dans votre ici, vous devez aller dans créer ma lune et vous devez choisir bon l'endroit où vous voulez. Donc moi je vais prendre ici celui là de préférence une zone que vous n'avez déjà pas créé de trucs dessus. Car je sais pas les gars si ça bug ou pas. Donc si ça bug, les gars, je relancerai mon jeu à la limite, parce que là ça a pas l'air de beaucoup fonctionner. Mais ne vous inquiétez pas, si ça bug je relancerai mon jeu, ne vous inquiétez pas. Attendez, tac. Ah c'est bon, ça a lancé, juste un petit lag. Alors maintenant quand vous êtes dans votre lane, vous appuyez sur carré dans votre pop-it et vous choisissez la sacoche. Puis vous êtes dans les objets de la communauté et vous prenez un truc là ici et vous ne le posez pas. Regardez, vous le posez pas, vous cliquez sur carré, mes sacs bottes, vous devez aller dans costume, puis vous devez choisir dans sauvegarder la tenue et vous aurez, les gars, votre tenue. Donc alors je vais en faire 2 ou 3 devant vous parce que bah je pense que vous n'êtes pas intelligent. Non, je rigole les gars, ne le prenez pas mal. On va sauvegarder quelques costumes ensemble pour que je vous montre un peu à quoi bien ça ressemble et tout.
Car c'est vraiment très simple, les gars. C'est vraiment. Si vous n'y arrivez pas, les gars, c'est vraiment que vous avez un problème de cerveau. Mais en tout cas, c'est vraiment des techniques simples qui, à la base, marchaient très bien sur LBP2. Maintenant, elles ont des restrictions sur LBP3. Mais il y a toujours moyen de trouver des skins hackés comme ce cyclope. Regardez. Donc, un cyclope. Donc, c'est pas mal pour des maps horreur, les gars. Donc, moi, j'ai trouvé comment ça s'appelle, des persos DLC. De Adventure Time, les gars, sur ce jeu. Donc, j'ai trouvé Finn et Fiona. Donc, voilà, donc je les ai pris. Donc, après, c'est vraiment très rigolo. Donc, vous pouvez faire plein de trucs avec. Hein, il y a hein, c'est multifonction. Un peu, je sais pas, vous prenez n'importe quel skin. Regardez, genre, lui, il est pas mal aussi. Et chacun des skins a des animations en plus, les gars. Donc, enfin, certains skins ont des animations. Donc c'est vraiment des skins hackés comme il faut, les gars. Par exemple, regardez, un russe par exemple, on a des skins de russe. Donc ça, c'est plutôt des bons glitches pour les RP, enfin en gros pour les roleplay pour ceux qui connaissent. Bon, par contre, je vais éviter de trop blablater pendant trop longtemps non plus, parce que bah voilà, hein, j'ai pas tout mon temps. Donc, enfin, ouais, enfin, comment dire que là, je tourne ma vidéo. Il est 13h49 et j'ai les cours dans pas très longtemps, vous voyez. Donc, je me grouille un peu, les gars, que j'ai décidé de faire la vidéo maintenant. Parce que je sais que ça vous plaît, petit bonne de petit coquin. Donc, alors, pareil, par exemple, c'est celui-là. Donc, c'est le dernier qu'on va copier. Voilà. Et ce sera tout pour cette vidéo. Voilà. Et si vous voulez faire des essais, vous allez en carré, personnaliser les personnages. Le joystick L. En plus grand, et regardez, vous pouvez avoir des persos. Et allez, moi, regardez le perso que j'ai, les gars. Il est plutôt rigolo. Donc, c'est un sackboy. Un petit sackboy qui tient un gros sackboy. Donc, ça vous rappelle sur Disneyland. Regardez, vous pouvez caresser des sackboys. C'est très rigolo. Donc, vous pouvez essayer plein de sortes de skins. Par exemple, celui-là, il est très beau. Je peux l'appeler comment? Bah, je sais pas, le skin de neige là. C'est en fait, c'est un effet de la neige là, comme quand il y a de la télé. Donc, pour un RP horreur. Genre, en gros, vous imaginez, genre, il y a une vieille télé, et là, vous voyez le Sackboy avec ce skin-là qui ressort. Donc, voilà. Bon, après, on va pas parler de trop truc RP. Celui-là, du Cyclope, il est plutôt pas mal, les gars. Ah, merde, on peut pas modifier. Voilà, bon, excusez-moi. Voilà. Il est très beau, ce skin aussi. Ah, pareil, j'ai un petit fétiche pour le skin panda, parce qu'il est vraiment très mimi. Regardez-moi ça. Un skin panda! Un skin panda! Pandi, pandi, panda. Et il y a même encore l'étiquette du magasin. Ouais, donc alors par exemple, regardez aussi celui-là. On a bon, il est moins, c'est un des moins stylés, mais il est pas mal. Voilà, regardez, alors pareil aussi pour celui-là. Donc, c'est un sackboy brillant. Donc, moi, tout ce qui est brillant, j'adore. Alors, pareil aussi, vous avez des skins what the fuck, vraiment comme un aspirateur. Vous avez un skin d'aspirateur sur ce jeu. Donc, honnêtement, j'y pensais pas. Pareil pour les personnages du mode histoire, vous pouvez les débloquer. Et par exemple, vous avez aussi. Comment dire, des persos très stylés ou des DLC gratuits, par exemple le DLC Bob l'éponge. J'ai réussi à trouver le skin de Carlos. Bon, Carlos, c'est pas mon perso préféré de Bob l'éponge, mais on va l'appeler Couille Bleue, alias Polo Bleu. Et oui, après, donc regardez, donc j'ai réussi à trouver aussi des costumes des Teen Titans qui sont plutôt pas mal. Hein, écoutez, bon, alors après, il y en a certains que vous avez besoin, comment ça s'appelle, de certains packs de DLC. Donc là, par contre, là, désolé, mais c'est pas moi qui choisis. Donc voilà. Donc il y a certains trucs où vous devrez avoir des DLC. Pareil pour les skins hack, par exemple, regardez. Celui-là, donc c'est un skin hack en gros de Toggle. C'est un skin de Toggle en mode petit, mais en fait adapté pour Sackboy. Regardez, donc c'est très chelou. Et pareil pour les skins buggés, par exemple, on a des skins glitch, des skins hack, qui sont plutôt pas mal. Par exemple, lequel de skin hack? Par exemple, le triple Sackboy, que je vous ai montré, le Sackboy or, le Sackboy quasi invisible, le Sackboy quasi invisible avec du rouge un peu, le Sackboy lumière, le Sackboy. Je sais pas, Sackboy chelou, on va l'appeler. Voilà, et pareil, par exemple, il y a des Sackboy complètement buggés, regardez par exemple, ce Sackboy là, il est tout buggé, regardez, donc il est vraiment tout pété. Voilà, donc on sait pas où est où sont certains endroits. Donc c'est un modèle 3D défiguré. Pareil, par exemple, on a un Batman, les gars. Batman! Batman, les gars! Je suis Batman! Ça, c'est Batman! Et le type de skin hack, par exemple, des plus répandus. Comment dire, bah, c'est les DLC gratuits.
Et les power-ups, les gars, donc vous pouvez avoir des skins power-up gratuits sans avoir de power-up. Donc, par exemple, comment il s'appelle? Celui-là. Il a des gants. Donc, il est plutôt pas mal. Donc, après, c'est des légères toujours des skins hackés. Alors, désolé, les gars, j'ai eu un petit bug de rec. Donc, j'ai pas pu filmer plus. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a plu à vous aussi. N'hésitez pas à liker, vous abonner. N'oubliez pas, le monde aura toujours besoin de héros.